On a eu la chance de tourner aujourd'hui un sketch différent, une fois de plus, on peut le dire. Ouais. Différent, je pense que le mot est plutôt bien choisi, Amaury. C'est un sketch, pour le coup, qui nous a inspiré d'un ami, Alex Vetter, un garçon, mais avec des traits très féminins. Ça nous intéressait aussi de travailler sur le genre, qui aujourd'hui, ouais. Vraiment, on le voit, la question du genre a été remise en cause à l'école, dans la société, donc ça nous intéressait de poser un peu cette question, alors toujours nous, avec une approche d'humour. Plus avoir d'enfants, hein, c'est fini, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien, hein. Pas possible de revenir en arrière et de se dire « Non, mais s'il vous plaît, docteur, est-ce qu'on peut refaire quelque chose ?» C'est fini, hein. Fini, hein. Ce qu'on voit souvent sur les commentaires, c'est que les gens, et on les remercie d'ailleurs vraiment du fond du cœur, quand les gens nous disent « Ouais, Amaury et Quentin, vous faites des super sketchs », à tous les gens, merci. Mais il faut savoir quand même un truc, ces sketchs-là ne se font pas seuls. Pour ça, il faut avoir une équipe. On a une super maquilleuse, on a un costumier de la mort qui tue, des très bons monteurs, des cadreurs, un mixeur. Enfin, que des mots qui terminent en heure. Un mec du son, même s'il parle beaucoup, il est quand même excellent. Du coup, en fait, sur le plan précédent, on a tourné comme sur House of Cards de Fincher, c'est-à-dire que la perche était vraiment dans le cadre et en post-prod on fait une passe à vide et on va tout gommer ensuite. Comme ça on a un son de bien meilleure qualité que si on devait se limiter au cadre. Voilà. Et on a un super assistant réel, pour rien vous cacher. C'est vrai que là, on peut lui rendre un hommage. Ouais. Quand tu vois nos scénars... une minute de silence pour lui, mais bon, ce serait peut-être un peu relou pour vous. Exactement. Mais on peut l'applaudir peut-être. Ouais, non mais il est pas bien là. C'est notre assistant réel et du coup il en a marre de bosser avec qui vous êtes tombé. T'as pas vu ce qu'on fait faire hier? C'est une fin de tournage.